Allez, salut tout le monde! C'est Mister B-Boy 45, j'espère, nous espérons que vous allez bien. Évidemment, je suis toujours accompagné de l'incroyable Dark Funeral 972 pour cet épisode 12. Comment il va celui-ci? Eh bah celui-ci va bien, et d'ailleurs je tiens à passer un petit message à remercier tous ceux qui sont encore là à regarder après. C'est vrai, 12 épisodes, c'est insane, monsieur, vous entendez? C'est insane. Normalement, en 2022, ce serait déjà une saison 2 au bout de 10 épisodes. Mais là, on est toujours frais. Et toujours ouais, là. On est toujours frais, on est toujours là, et toi tu es très beau, sache. Allez, on est parti. On va voir les pacificateurs, parce que souvenez-vous, c'était... les problèmes. La trahison de Sophie, voilà. Te voilà. Bien. T'avais raison, c'était un piège. On dirait bien que tu approchais de la vérité. Soit ils ont tué Lucas, soit ils savent qui est responsable. On va les forcer à parler. Comment tu vas faire? En prenant le contrôle du château d'eau. Jack et Joe se sont barrés quelque part. Il reste plus que les retardataires. Ça, c'est la seule source d'eau du secteur. Et qui contrôle l'eau, contrôle le vieux Ville d'Or. Tu veux t'en emparer de force? Je pourrais le faire. Maintenant que ces loupards sont partis, le bazar va poster des gardes au château d'eau. S'il voit le moindre pacificateur, la situation risque d'exploser. Ouais. Mais je veux pas leur donner la moindre excuse pour la guerre. En même temps... si quelqu'un pouvait s'emparer du château d'eau discrètement, il se retrouverait devant le fait accompli. Ah, tu veux que je m'y faufile? Et ils sont en regardant, oh, si quelqu'un et désactive les charges faire. Restantes de Jack et Joe. Sans oublier d'éliminer quiconque s'y trouve encore. Mais fais attention, le château d'eau est la structure la plus haute de la zone. Et le seul moyen d'y accéder a été coupé. Je peux essayer. On dirait que c'est la seule option. Très bien. Vas-y. Si tu y parviens... on aura un énorme moyen de faire pression sur le bazar pour qu'ils nous disent qui est le tueur. Ok. Une brèche dans l'armure. Attends, on a un beau gourdin. Attends, je te refais la scène. Putain, si seulement je connaissais quelqu'un qui faisait du parcours et qui était agile pour pouvoir se faufiler dans une mission de nuit. Non, tu veux que je te fasse la scène? Ouais, vas-y. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait aller dans le château d'eau de nuit. Allez, on est parti, rendez-vous au château d'eau, château d'Axe. Excellent, ça, on adore. Excellent. C'est quoi ça, château d'Axe? C'est les matelas, non? Non, j'ai possiblement, j'en ai aucune idée. Château d'Axe, mais si, putain de merde. Ok. Oh putain, on est de nuit. Eh, c'est pas grave, on adore la nuit. Hop. La nuit, voilà. C'est notre domaine. La nuit, c'est notre domaine. Parce que je suis Batman. Allez. Attends, faut que je me soigne avant. Viens, on court direct. Oh putain, on voit que dalle de chez que dalle. Allumez la torche avec la flèche du bas. On va ici. C'est à 185 mètres, c'est large, pesable. Alors, on reste sur les toits, on évite les hurleurs. Ouais. Et tout va bien. Oublie pas que tu peux regarder derrière en restant appuyé sur triangle et tu peux te retourner vite. C'est vrai. En restant appuyé aussi sur triangle, mais sur place, il me semble. Il y a okay. Un hurleur ici. On fait gaffe. Allez, pour l'instant, speedruns. Speedruns. Pour le moment, tout se passe bien. Oui. Je pense que Peter Parker. Ah là, il y a du miel. Ah non, on a jaloux ici. Yep. C'est inoccupé. Hater veut prendre le d'être Peter Parker dans Spider-Man 1, tu vois. Bazar à toi raconter. En fait, de toi en toi. C'est la façon d'enquêter sur le meurtre de Lucas. Eh bah, il est pas si bête après tout. Mais fais bien attention à Joe. Ce gars est un rigolo, mais il est dangereux. Je doute qu'il se soit juste enfui comme ça. Ok. Donc, faut qu'on fasse gaffe à Joe. Oh ! Conteneur bichette. Là ! Attends. Il est où ? En bas ? La porte d'en bas, là, tu crois ? Il est là. Bon, attends. Oh, tu vois le boss, là ? C'est pas lui qui le garde ? Non. Mais attends, tu sais que si on l'élimine, ça donne un truc, hein. Il écrit éliminé sur son front, hein. Ah ouais ? Ouais, t'en penses quoi ? Fais un cocktail Molotov ! On va se régaler. Vas-y, je mets attends. Des pétards, et t'envoies sur mes pétards, ok ? Alors, attends, fabrication... T'es prêt ? Pauvre. Je suis prêt dans... Enfin, attends, faut que je maintienne triangle et que ça fasse tout le rond, tu comprends ? C'est bon. C'est bon ? Go ? Il y en a deux, hein. Ils sont bizarres. T'inquiète. Envoie la molotov sur eux. Non, sur eux. Bah c'est... T'es dessus ? Ils crament ? Quoi ? Quoi ? Les zombies, ils montent et tout !
Hop, il est tombé, hein. Un ASA. Bon, bah, il est mort. Il est mort de chute. Hop, ils meurent tous de chute, des barres. En tout gros, j'en ai rien à foutre du cocktail molotov. Hein. Ok. Putain. Bon, on va devoir descendre. Ouais, allez, let's go. Je m'en débarrasse d'un. Ok. Oh, tous ses potes, c'est très gentil. Hop. Quoi ? C'est bon ? Je vais assister. T'es mort, toi ? Non. Non, 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 non. Oh, non, mais il a une portée. Je ne comprends pas. Je dois avoir des problèmes de yeux. Putain, j'ai l'impression de pas mettre deux coups, c'est terrible. Ok. Je vais changer d'arme parce que là, c'est dingue. Je vais prendre ça. Fais gaffe oui, au timer de nuit. Je suis Keblo. Il brûle. Ouais, je le mets en feu. Il est électrocuté. Il est en échec. Il n'est plus en échec, c'est moi qui suis en échec. Je suis même presque plus mat. Attends, je le tue. Ah, oh. T'agonise. C'est bon, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. C'est rien. Tout va bien se passer, bibiche. Je voyais la lumière. C'était un trophée. Voilà. Ouh. Bah voilà, GG mec. Ouais. Fallait le faire en vrai, hein. Attends, et ça, je crois que ça fait v'là les dégâts. On l'a pioté. Allez, oh, viens. Je grimpe, hein. Ouais, moi aussi. Bon, eh, au moins on l'a eu. Par contre, c'était pas ça, l'illimiteur. Mais au moins, on a un trophée, c'est la première fois qu'on l'a. Non, ce jeu, frère. Ah bon, on avait pas déjà eu un de celui-là? Non, je crois pas. Je crois pas. Je ne crois pas, hein. Ça veut pas dire que je détiens la vérité, mais... Mais non, on avait affronté un dans la démo, c'est quand possible, tout le monde était possible, mort. Possible. Dans la démo, dans deux ou trois épisodes avant. Mais vous êtes bizarre, monsieur Kevin. Mais non, j'ai pas vu la démo. Il est où le bordel, là? Il y a 35 mètres. Ah, tu parles de... Là, le truc... C'est plus haut que ce que j'imaginais. Oh, je crois qu'il est là, non? Ouais, il est vers la quête. Regarde, on s'approche. 39. 38. 39. 40. Ah non, on s'éloigne. Pour moi, il est là-bas. Merde. Garde. Ah ouais, là, on se rapproche. Ah, il est peut-être à l'étage du bas. 44. On s'éloigne. Faut monter. Oh, il y a un hurleur, on est foutu. C'est où? Non, on s'éloigne trop. Attends. Peut-être dans ce bâtiment, là. Ouais. Oh, quoi? Non, mais attends, viens, rendez-vous au château d'eau. Viens, vite, à la quête, avant qu'on meure. Au pire, je pense que ça va nous reset. Bon bah, par contre, hein, parce que là, je vais canner, hein. Vas-y, je suis là. Vas-y, viens. Hop, comme ça, ça va... Oh non, couvre-moi. Non, c'est moi qui fais. Attends. Oh, quelle angoisse. Mais comment on répare nos trucs? On est nul. Attends, je m'en occupe. Vas-y. C'est bon. Ouh. Cours. Là, c'est bon, UV. Voilà. Hey, tu vois? Jack et Joe sont dans la tour, ils vont la faire sauter. En vrai, viens, on ressort pour récupérer le bordel quand même. Non? Je pense qu'on l'aura à la sortie, hein, dans tous les cas. J'y crois pas. Je me permets de vous dire, monsieur Fédéral, que... En fait, si la quête, elle nous mène plus loin ou autre, ça va être chiant. Attends, faut vraiment que je fabrique du soin. Attends. Moi, je vais regarder un petit peu ce que j'ai en termes d'inventaire, tu vois. Moi, je suis un peu en sauce, hein. Voilà. Là, ça me dit qu'il est à 33 mètres d'ici, hein. Donc en vrai, on est à côté, hein. T'as peut-être raison. Mais le problème, c'est que t'as peut-être tort aussi. Donc comment on fait, monsieur Funéral? Bah, faut voir où nous mène... Oh la vache, j'ai pris un coup près, mon pote. Je suis Highlander. Allez, go. Tu crois qu'on monte encore? Non, regarde, 32, 31, 30. Ok. 29, 28, 27, 25. Ah, 23, 22, 21... Ah, c'est pas ça. Non, bah non, 80 mètres. Non. Non, tu vois, 22, 21. Donc, c'est à ce niveau-là. Attends, là, regarde. Ouais. Attends, on n'a pas pris la quête. Fallait prendre la quête. Oh non, quel enfer. Ah non, mais il faut qu'on désamorce les explosifs, c'est ça la quête. Ah, et bah regarde, je crois que... On y va là, en étant haut. Ah. Non. Ce jeu, putain, mec, quand tu cours sur le mur alors que tu veux pas...
Ouais, bah, faut, je crois qu'il faut lâcher la touche. Attends. Voilà. 18 mètres. Ça devient... T'arrives ? Ouais. Là, on est d'accord. Ah merde. Ah, c'est là l'explosif. Ok, vas-y, diffuse. Mais attends, regarde. Regarde, regarde. Non ? Ouais, on approche. Là ? Oh mec, je suis dessus, je crois. Parfait. Je suis dessus. Fufu. Attends, on a pas désamorcé les explosifs ? Bah, fais-le ! Non mais c'était tout en bas, je crois. Il est là, le conteneur d'inhibiteur. Je l'ai. Il est là. Attends... T'es entré par où ? T'es dedans ? Là, j'y suis. Là, j'ai un explosif. T'es rentré par où ? Je suis faut ah, faire là. Tout le tour, frérot. Faut monter. Ok. Hop, je diffuse. Et conteneur d'inhibiteur ici, Bibiche. Voilà. Et ben parfait. Bon, super. Bon, la santé un peu, parce que là, on en a besoin quand même, en vrai. Hein. Bah, toi, tu fais ce que tu veux, mais là, je vais prendre santé. Hein. En gros, on est déjà niveau 3. Hein, Ouais, je pense que je vais prendre la santé aussi. C'est un peu la sauce, là. Allez, hop. Voilà, bah, c'est déjà je vais redescendre mieux. Tout en bas. Ok, bah écoute, tu redescends en bas et je continue de monter pour... Vas-y pour la TP. Ouais. Parce qu'en plus, c'est pas terminé. Ok, super ça. Ouais, c'est bien parce qu'il y a des inhibiteurs un peu obligatoires en vrai. Hein. Genre oui, le mec qui fait exprès. Le mec qui nous fait exprès. Là, je comprends pas, j'arrive toujours pas. Pourquoi je ne peux pas escalader ? What ? Quoi ? Compris. Et l'eau est sécurisée. Ok. Putain, c'est pas facile, hein. Il met vers toi. Ah, réussi, merde. Après tout. Tu TP là ? Ok, parce qu'il faut que tu sois là. Nickel ! Super ! Super ! Ah, je suis content parce que c'était la merde, là, le château d'eau de mort. Ouais, par contre, on peut prendre les jumelles et observer. Oui. À mon avis, le point est super. Si on nous laisse, on peut essayer de le faire. T'as un peu sombre, c'est bon. Bien sûr qu'il va se prendre l'air. Soit ces trous du cul du bazar, soit les pacificateurs. Ils nous sauteront dessus au moment où on descendra d'ici, mon pote. Putain, on l'a perdu, mec. On a perdu la tête. On peut pas se battre contre tout le monde. C'est pour cette raison que c'est l'heure du feu d'artifice. Personne ne s'en sortira vivant. Joe, je veux pas mourir, connard. Hey, qui est là ? Je vais à droite, tu vas à gauche. Arrête ! Bon, on va faire sauter la putain de tour, je te jure ! Genre, il allait la faire sauter maintenant. Attends, négocier. J'ai trouvé les bombes, discutons. L'heure de la parlotte est terminée. On va faire exploser cet endroit. Tu m'écoutes pas, c'est fini ! Je veux que ça soit terminé, et quitter la ville en toute sécurité. Aide-moi, et je t'aiderai en retour. Tu te trompes, Jack. Personne nous laissera sortir d'ici vivant. Écoute, je suis un pèlerin. Allez, faisons tout sauter. Je te mets au défi, je sais que tu le feras pas. L'écoute pas, Jack. C'est terminé. Fais péter ! Je sais pas. J'ai peur. Joe, attends. Joe. Hé. Hey. C'est pas le pèlerin qui est venu au bazar il y a peu de temps ? Peut-être. Pèlerin ou pape. Et alors ? Tu comprends pas ? Si c'est un pèlerin, il peut nous faire sortir. Nous conduire hors de la ville dans un endroit sûr. Je fais pas confiance à ce connard. Tu fais confiance à personne. Je t'ai déjà dit d'être sympa avec Barney. Bon sang, mais écoute-moi pour une fois. Être sympa avec Barney ? Pourquoi faire ? Pour le faire dégager du bazar. Après ce qu'on a découvert chez les pacificateurs. On l'a prévenu, cet enfoiré. On lui a donné une chance de s'enfuir. Mais il s'est cru plus malin que ça. Prévenu Barney ? À propos de quoi ? Eh bien... À propos de Lucas, qui voulait l'arrêter pour détention d'armes, entre autres. Il a préparé son piège pendant des semaines. Et au lieu de se tirer poliment d'ici, il a essayé de faire le malin. Alors, Barnes avec Lucas était après lui. Ce crétin voulait déclencher une guerre au vieux Vildor. Et si tu me demandes, la guerre, c'est la dernière chose dont on a besoin. Argent, cristaux, ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir avec ce chien enragé et sa sœur.
Alors, pèlerin, tu vas nous faire sortir de la ville ou quoi? Du calme, Joe. Je vais pas me calmer, putain! Fais-nous sortir de la ville, pèlerin, vers la colonie sécurisée la plus proche. Et personne ne mourra ici. En vrai... Peut-être qu'ils ont des révélations à nous faire sur Barney et tout, tu vois. Ah, j'ai personne nous a dit de pas les aider ici. On nous a rien dit sur, on a juste dit de prendre le château d'eau. Bon, on les aide? Ouais, je pense qu'on va les aider. Je peux vous faire sortir de la ville. Mais d'abord, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe. Allez vous cacher quelque part et attendez. Ils vont pas nous voir, t'es sûr? Qui ne risque rien n'a rien. Il ment, Jack. Y a pas d'autre moyen. Merde! J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais ok. On vous attendra dans les tunnels près du Tango Motel. On vous donnera un signal quand on y sera. Bon choix. Maintenant, donne-moi le détonateur, Jack. Je pense que ça peut être des alliés. Ouais, mais à 4, ça... Putain, à 4, ça peut être un bordel le jeu, je pense, hein, vraiment. Ouais. Que des bouteilles. Un petit lit là? Non, on peut pas. Oh! Là, les médicaments. Là, un adhésif collector. Ah, il faut que tous les joueurs soient présents. Et une hache cassée, on sait jamais. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas transformer nos trucs en items de lancer. Tu vois ce que je veux dire? Ah, jeter genre nos haches, des cassées. Bah ouais, à la Dead Island, vu que c'est les mêmes créateurs de l'époque. Mais génie. Après, il y avait tellement de bugs, ça passait à travers le sol et tout. C'était ah, qui prend le contrôle de l'eau? On va devoir choisir. Alors attends. Bah, pacificateur, non? Alors, on doit assigner un site soit pacificateur aux survivants. Quand une faction prend le contrôle d'une zone, elle y installe ses structures. Les pacificateurs y installent des pièges, tandis que les survivants construisent des aides de parcours pour faciliter la traversée. Plus vous assignez de sites à une faction, plus celle-ci devient en vrai les pièges. Comme ça, le soir, quand on doit se battre contre des gros boss, genre t'imagines le gros rouleau compresseur là? On peut essayer voir ce que ça donne, hein. Ça ne coûte rien. Hein. Ouais, moi, vu la gueule de Barney, moi je serais chaud pacificateur. Voiture piégée. Ah, tyrolienne. Voiture piégée et comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, ça fait quoi? Les deux, ça fait ça. D'eau à une faction et accéder. Attends, je suis en train de regarder comment ça. Alors, ça a assigné le château d'eau à une faction et accéder aux sources d'eau aux alentours. Ah, on pourra se soigner avec l'eau. Donc, voiture piégée alors? Et voiture piégée. C'est des tyroliennes un peu partout. Je suis en train de regarder voiture piégée. Ah, c'est une voiture qui fait. C'est vraiment sympa ça par contre. On fait quoi? C'est quoi? Pacificateur? Ouais, vas-y, hein, je suis chaud. De toute façon, on leur avait dit en vrai. Oui. On suit l'ordre du jeu. Allez, moi je suis et chaud. Et après, au pire, on donnera un peu aux survivants, on n'est pas des salopes. Ça dépend qui nous le demande. C'est Barney, il peut aller mourir. Allez les gars, on sort de nuit alors que c'est pas le but du jeu. Hop, il travaille. Hein. De nuit, hein. Alors que frère, normalement, on dit qu'il faut surtout pas... Ouais, mais ils sont équipés, c'est des pacificateurs. Ils pacifient des zones, tu vois. Bon, il y a plus de monde sur la tour d'eau que dans le métro où il y a le boss. Du Mordor, là. Je te jure. Bientôt l'œil de Sauron et tout. Ah ouais. Et ben voilà. Ben putain. Ouh, pas de vulgarité, monsieur fédéral. Ah ben, punaise. Appuyez sur pour ouvrir la carte. Alors, appuyez sur quoi? Ok. Tabulation. Bon bah en fait, il y a tout qui appartenait déjà au pacificateur. Je te jure. Ok. Donc il faut faire d'autres châteaux d'eau. En fait, il y a que la Trinité qui appartient à... Ah non, il y a une zone, Houndfield. Des récompenses de ville. Ils sont partis loin en vrai dans les délires hein, quand même. Hein. Bon, tant mieux, hein, mais. Ils sont partis loin. C'est bien, il y aura de quoi faire, je pense. Et effectivement, ils ont pas menti, il y aura de quoi faire. Ouais. Et là, tu vois à gauche. Là... Aiden, t'es où, bordel? Barnes avec Lucas a essayé de le capturer. Jack et Joe l'ont prévenu. Il aurait pu éviter le piège, mais il y est allé quand même. C'est là que Lucas a été tué. Peut-être qu'on devrait jeter un œil à la cachette de Barney à l'hôtel Tango. Je vais m'assurer que l'endroit est sûr.
J'ai repéré un truc là-bas, mais... J'essaye à travers le mur, c'est un enfer. J'ai repéré un truc aussi. Ok, c'est bon, j'ai. C'est un moulin à vent non sécurisé. Oh oh. Oh oh. Non, moulin à vent, pas moulin à eau. Par contre, c'est un peu dommage. On puisse pas se déplacer avec les jumelles. Parachute. Oh, bien joué ça. Militaire. T'es sûr qu'on voit tout pour tout le monde ? Oui, je viens de le voir apparaître à mon écran, je vois le truc. Station électrique du centre-ville. Ah, c'est un truc d'alignement. On peut choisir si on le donne au pacificateur ou aux survivants. Attends, là, il y a un autre truc, là. Station électrique de Anfield. Ok. Eh, on a quasi découvert tous les points d'intérêt, en vrai, non ? Ouais. Après, pour c'est la coup. Petite ville du tuto. Oui, j'ai hâte de voir la grande ville. Plutôt non, mais c'est la petite ville quand même. Ouais. J'ai hâte de voir. Et ben, direction là-haut. Est-ce que tu veux faire un truc qui est sur le chemin là-bas ou pas ? Ben, est-ce qu'on en profiterait pas ? Attends, je regarde. Y'a pas grand-chose là. Non, y'a pas grand-chose. Bah, sinon, on peut aller voir. À con. Donc, la quête. Forte densité d'infectés pendant la journée. Récupérer inhibiteur, améliorer vos statistiques. Il y a 1000 points de force et 1000 points d'agilité à récupérer juste à côté. Où ? Parce que là, je suis en train de glisser. Je suis en train de pinguer. Je l'ai pingué normalement. Je sais pas si tu le vois. Ce sera sur la droite. Donc, j'ai pas été au bon endroit ? Si, ce sera sur la droite. Tu peux chercher les affaires de Barney. Ok. La voie est libre. Hop, je sais pas la si droite. Tu vois ce que j'ai pingué. Alors. On dirait un logo Biohazard un peu. Avec je vois une un bleue. Truc sur la gauche. Non, ouais, là. je le vois, je le vois effectivement, ok. Il est où ? Ben, à 70 mètres par là-bas. Quarantaine du Greux, c'est ça ? Du Greux. Tu sais que c'est le GRE, hein, qu'on incarnait un agent du GRE dans le 1. C'est vrai. Et d'ailleurs, on n'a pas fait The Following, est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire ? Ah, je veux bien que tu me racontes l'histoire de The Following. Alors, en gros, on croisait au tout début la secte du soleil. Ouais. Ils avaient tous un masque de soleil. Mais en fait, la gourou de la secte du soleil, c'était en fait la femme d'un ex-scientifique qui a jamais trouvé le remède, qui était une infectée, mais qui avait l'intelligence de réfléchir. D'accord. Elle pouvait réfléchir, parler, tutti quanti, tu vois. Et donc, à la fin, t'as deux choix. Soit, pour anéantir le virus, tu lâches la bombe nucléaire, et donc ouais. Tu meurs, mais tout le monde meurt. Et donc, il n'y aura plus de virus. Soit, vous combattez, tu la tues, mais après, par contre, tu meurs infecté, tu te transformes devant une petite famille que tu croises dans un parc. Donc, quoi qu'il arrive, tu meurs, toi. Ouais. Le héros. Horrible. Voilà. Ah, c'est chaud, en vrai. Ouais. Et en fait, Following, ça devenait intéressant, mais on avait arrêté parce que ça manquait de... Il y avait moins de peps. Il y a un contenu d'inhibiteur. Regarde, là. Souviens-toi, c'était que des trucs de... Ouais, va à gauche, va à droite, c'était FedEx. C'était horrible. Les quêtes FedEx, bah, c'est ce qui m'a fait lâcher aussi Death Stranding. Au bout d'un moment, t'es en mode, les gars. Ah, tu vois, Death Stranding pour le coup, jusqu'au bout. Hein. Tu l'as fini ? Ah, ouais, à fond. Hein. Tu nous régales, toi. Tiens, viens, il y a une porte ici. Ok. Infecté vaincu, rencontre réussi. Très bien, on a rien fait. T'es sûr que c'est là ? 30 mètres, 31 mètres. C'est ici, hein. Verrouillé de l'intérieur. Je pense qu'il faut encore descendre. Putain, c'est insupportable, hein. Faut vraiment que ça se... Zone dangereuse, ils disent. Verrouillé de l'intérieur. Pense que non, faut... Tu crois qu'il faut faire tous les étages, genre... Ah ouais. Verrouillé de l'intérieur. Non. En fait, ça sera pour déverrouiller des raccourcis. Ah, tu vois ? C'est terrible. Ouais, c'est horrible. Tu aurais pu nous dire un peu plus tôt. Bah oui. Ok, c'est pas grave. En vrai, oh non, peut-être faire tous les étages et tout. Non, il faut les faire, mais dans le bâtiment, c'est-à-dire ici, tu vois. Là, regarde. Là, ça va swinguer, je pense. Tu vois ou pas ? Donc là, faut prendre la vraie entrée, quoi. Là, on va. Par contre, on va se gaver, hein. Regarde. Là, c'est, tu sais, toutes les portes sécurisées, on avait fait le bâtiment avec le produit chimique. Ah oui. Là, oh la vache. Attention, des zombies endormis. À droite. Attends, brisage de nuque, je m'occupe de lui. Mort.
Occupe-toi-en d'un nouveau. Hop. C'est bon. On a un autre sur la droite. Il y en a un qui est debout. Bah, il bouge en... On s'occupe du mec debout. Il est vers moi. Essaye de le choper. Quoi? Je peux pas? Bon, allez. Oh, lui, j'ai brisé la nuque. C'est pas possible! Frère! T'es moche en plus! Oh putain, Fufu! Ouais. Merci. Ok, il va mourir. Ah oui, c'est incroyable, beaucoup trop fort lui, hein. Ouais, wow, on rentre dans le tas. Hein. Allez, let's go. Allez, on a pété, hein. Putain, mon coup il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est lent. En général, les armes lentes sont très puissantes. Bah, c'est l'arme à deux. Oh, un mort. Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Bien sûr. C'est la merde. Si on voit le... Non, si on voit le zombie de... Oh putain, mais il est parti, il met des patates. Le zombie de la jaquette. Mais tu me fais chier avec ton zombie de la jaquette, c'est quoi? Bah, le immense qu'on a vu au début, là, qui court vite, qui fait... Ouais, ben quoi? Bon, on court. Non, on le tabasse, t'es fou, toi. Ah ah, monsieur Biboy, c'est pour vous, ça. Deux. Bah, 4 mètres. Projetage? Et ouais. Je m'en occupe. Mais il y a deux étages, il y a peut-être des vrais dingueries, hein. Ouais, bah, on va tout faire, hein. Voilà, viens, bichette. Oh là là. Et là, tu sais qu'on peut encore améliorer, là, déjà. Hein. Oh là. Tu vas prendre santé, là, encore, ou... Moi, je vais prendre santé, parce que... Oh non, on en a qu'un, là. Oh, oh les salauds. Par contre, c'est pas fini, regarde-moi ça. Y a rien d'autre. J'ai une nouvelle veste. Oh là là, je suis Noctis. Mort. Oh putain, mais c'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Voyons, mort. Ouais. Attends, y a ça, regarde. Bonus de nuit, très bon ça. Oh là là. Oh, y a encore une autre caisse ici. Ah. Alors attends. Je mets dans la santé, hein. Bonne chance. Tu mets dans quoi, toi? On peut rajouter encore un point? Non, moi, je peux pas. Hein. Quoi? Ah bah non, on en a eu qu'un. Il nous en manque un. Bah, j'y vais, moi, je m'en bats les couilles. Trop ça, c'est difficile. Hop, c'est bon. Du premier coup, ouais. Allez, viens. Viens. Allez, hop. Des soins militaires. Oh, il y a une chemise d'infirmier. Hop, c'est bon, hein, c'est fini, hein, on en parle plus, hein. Hop, attends, j'ai des baskets. Attends, champote, je prends des champotes. Prends des champotes. Ah oui, immunité, oh là là. C'est pas fini, hein, conteneur, hein. Qui va nous permettre, et je pense qu'il est étage supérieur. Mec, c'est incroyable, c'est un régal, hein. Ce, attends, il y a un truc bâtiment violet ici. Ah, il y a un inhalateur. Ah, bien, il est où? Ici, là. J'arrive. Ah oui, il y a encore un autre... Non, mais il y en a combien des conteneurs ici? Bah, on va pas se plaindre, il est où? Ah oui, là, il était là, moi. Oui, il est en haut, bien. Tu, moi, je connais ce bâtiment. Attends là, ben non, regarde ici. Deux. Regarde là où je suis. Tu crois que c'est bon, tu l'as? Ouais. On veut descendre, non? Bah non. Non, non, on est censé monter, gros. Non, faut descendre. Non, non. Non. Ah bon? Mais en fait, il y en a en haut et en bas, je pense. Vas-y, bah attends, je te suis. Ils ont repop. Ça, c'est le raccourci. Viens, viens, on descend. Non, non, cours. Monsieur B-Boy? Pourquoi? Je t'attends, tranquille. Non. Meurs, force, mort! Oui. Voilà. Et les zombies de la jaquette? Il y en a trois. Non. Ils m'ont sauté dessus, gros, ils m'ont one shot. Allez, tombe! Jeu de mort! Oh, je suis si loin. Bah. Oh non, oh. Fufu. Je vais pas me TP sur toi. J'arrive. Mais que se passe-t-il? C'est bon, oh. J'ai ouvert tous les raccourcis. Viens. J'arrive. Bon bah faut surtout pas descendre. Attends, c'est quoi ce bug? Mec, je peux pas ouvrir. Oh mais tu sais pourquoi ils sont là, je pense? Pourquoi? Il fait jour. Et donc bah ils reviennent ils rentrent? Non, je crois pas. Tu penses que je l'ai pas aussi élaboré? Non, je pense pas. Attends, que se passe-t-il? Mais non, mais j'ai ouvert quoi, moi? Ok, j'arrive. Je suis retourné à la porte, en haut.
Tac tac, t'es où? Conteneur d'inhibiteur à proximité. Bah... Ah ouais, mais faut qu'on traverse le bâtiment. Ils t'ont démonté ou pas? Ah ouais, 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 ils m'ont mis juste une patate et c'était fini. Oh monsieur B-Boy, fuyons s'il vous plaît. Non, il rentre, il rentre, il rentre. Oh, si tu voyais ce que je vois. Bah ouais, mais moi je suis mort. Je suis mort parce que... Ah non, mais en fait, je peux plus venir. Maintenant, ils sont au premier étage et tout, ils sont partout. Hein. Ah non, c'est qu'ils bon. Sont vraiment rentrés. C'est bon, hein. Fufu. C'est bon, je continue sans toi. Je vais passer vers ça. Non, mais tu sais que moi, la porte que t'as ouverte là, en haut, il y avait un. Je sais plus comment ils appellent ça. Un carapateur. Un rapace. Ouais, je les tue tous, hein. Je peux pas les éliminer, je crois. Ah, mais pourquoi je fais pas me TP sur toi, c'est chiant. Bah ouais, mais... Là, je peux vraiment, vraiment pas rentrer. Et cours, 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 jusqu'à atteindre... Ah non, mais il court plus vite que moi. Là, il m'attend à l'échelle, là. Oh là là, il y a tellement de zombies, si tu voyais tout ce que je voyais. Ah bah si tu voyais, moi, ce que je vois. Frère, je suis dans un étage envahi d'infectés. Tu viens pas, je suis... Mais je peux vraiment pas. C'est des rapaces. Faut pas qu'on passe à côté, putain, ça me fait tellement chier. Attends, en fait, je pense qu'il faut revenir de nuit quand ils sont dehors, parce que là, ils sont tous rentrés sur mes côtes. Ah, ouais. Ah, c'est tellement dommage. Ouais, mais... Ah, c'est tellement dommage. Oh, c'est tellement dommage. On aurait pu se gaver. Ah tu vois, regarde, revenez la nuit quand les infectés sont dans la rue. Et en fait, ils sont rentrés et je peux plus revenir, en fait. Mais... Oh. C'est dommage qu'ils aient pop comme ça. C'est mais un oui. peu... Bah écoute, on fait et ça genre, la prochaine fois. J'ai eu un truc qui m'a dit qu'il faisait jour. Et j'ai fait, mais comment ça? Et là, il y a trois rapaces. On va les appeler comme ça. Il hein. y a trois ouais. rapaces qui m'ont sauté dessus. J'ai pris une patate et j'étais au sol. Mais attends, t'es où, là? Là, je suis devant la porte du greu. Là où on est rentré au début. On peut dormir ou pas? Parce que moi, il y a un endroit, je crois que je peux dormir là. Vas-y. Bah, fais et normalement, ça devrait pouvoir forcer un TP. Mais on verra la prochaine fois. Non, non, mais TP-toi sur moi. Bah, je peux pas. Attends, non, c'est qui est le plus proche de là où on était? C'est moi. C'est toi? Bah, j'arrive. Ok. Mais le problème, c'est que deux jours, ça va être compliqué. Bah, de toute façon, on doit s'arrêter là parce que bah, ça fait déjà un épisode complet. Ah, mais oui, au moins, vrai. On sait quoi faire la prochaine fois. Oh, ouais. Par contre, c'est un peu incohérent parce que, bah, genre, ils sont rentrés, ils sont pas rentrés, ils sont TP. Et ça, c'est dommage, tu sais, tu les vois pas, genre, débarquer. Mais non, mais. Bah, oui. Parce donc, que, genre, on ils sont arrivés d'un fois. Coup, genre, j'ai eu trois rapaces. Et ah, il oui. reste trois inhibiteurs, hein, si jamais, hein, dans le bâtiment, dans tout le bâtiment. Hein. Ah, ouais, non, il faut. Ouais, il faut les faire. On fait ça au prochain épisode. N'oubliez pas oui. le like et le commentaire. À très bientôt, tout le monde. Fufu, le mot de la fin. Je suis mort. Aidez-moi. J'arrive. Non, bah meurs. Bah oui, tu es de force. Allez, bisous tout le monde, ciao. Des bisous, bye.